À 24 ans, Alicia Ely est sur son petit nuage. Ce n'est pas à cause de l'élection de Miss France 2023 qui aura lieu le 17 décembre 2022, mais parce qu'elle est enceinte de son premier enfant. En effet, mardi 13 décembre 2022, elle a dévoilé son joli ventre arrondi dans une vidéo partagée sur son compte Instagram. En légende, elle a simplement écrit « Toi et moi ». Mais en story, elle a posté la même vidéo en indiquant « Une des plus belles choses que la vie puisse m'offrir ». Immédiatement, la nouvelle a été largement félicitée par tous les fans de la jeune femme, dont certaines Miss France. Diane Ler, qui s'apprête à rendre son écharpe, a été l'une des premières personnalités à réagir. Oh, félicitations Alicia, a-t-elle écrit. D'autres Miss France l'ont aussi félicitée, comme Camille Serre et Flora Coquerel. Pour l'heure, Alicia Ely n'a donné aucune indication sur cette grossesse, ni sur l'identité du futur papa. Il faut dire que la jeune femme est de nature très discrète sur sa vie privée. En 2020, des rumeurs avaient laissé entendre qu'elle était en couple avec Kylian Mbappé lors de la Coupe du Monde de football 2018. Après avoir longtemps ses maux de couloir, elle était finalement sortie du silence dans le documentaire de C8 La vraie vie de vos Miss, diffusé en décembre 2020. Je suis obligé de rire. Je crois que cette question, concernant cette fameuse personne, je l'ai eue un milliard de fois. Ce n'est pas mon présent actuel et ce ne sera pas mon futur. Ce serait bien que le monde entier passe à autre chose, avait-elle lancé. Alicia Ely s'est lancée dans la chanson depuis la fin de son aventure Miss France, l'ancienne protégée de Sylvie Tellier a eu l'occasion de se lancer dans le mannequinat mais aussi dans la chanson. En effet, elle a sorti son tout premier single, Mojo, en décembre 2021. Pour le clip, elle avait fait appel à d'anciennes Miss France, notamment à Clémence Bottineau, Miss France 2020. Depuis, elle continue dans cette voie. En effet, en juin 2021, elle a signé avec le label indépendant Rude Empire Music Group avant de dévoiler un tout nouveau single intitulé Abusé dans lequel elle chante en français et en anglais. Même si elle ne se dévoile jamais lorsqu'il s'agit de sa vie privée, celle qui avait été élue Miss Guyane 2016 s'était laissée aller à quelques confidences dans les colonnes de France Guyane. Je suis célibataire, pas mariée, pas d'enfant, et pas un cœur à prendre, avait-elle déclaré, lorsque des rumeurs lui prêtaient une relation avec Kylian Mbappé. Il faut savoir être comblé seul avant de l'être avec quelqu'un. Donc, je prends mon temps et quand l'univers m'apportera quelqu'un et que ce sera le moment, je l'accueillerai à bras ouverts, avait-elle confié au mois d'août 2022. Aujourd'hui, tout laisse à penser que les choses ont bien changé pour la jeune femme.